il tient un trou de... Yes, man! You're birdie, man! Woo! Yeah! 3 à jouer. Bah, on va les laver pareil, mais bon. Il repousse la souffrance, quoi. Ouais, notre quatrième coéquipier, vas-y, raconte-nous ça, Canson. Alors, il faut savoir que nous, on a pris des vols à Escale à Londres. Ça vaut environ 1 800 $, 1 700 en moyenne. Là, on a payé 750 par tête. Puis on a proposé à Manu de lui prendre un vol aussi, mais lui, il a dit non parce que sa mère est retraitée d'Air Canada, donc il voulait avoir un deal. Quand tu voles stand-by, c'est que tu te mets sur une espèce de liste d'attente. Puis s'il y a d'autres gars qui s'inscrivent, qui ont, je sais pas, plus d'ancienneté ou leur mère, elle est plus reine, bah, plus haut dans la liste. Ça dépend toujours de la hiérarchie. Ouais. Et là, hier, il me texte, il me dit, ouais, bon, il y avait 11 places, puis là, il y a 12 inscrits dans la liste, puis je suis le 9e, donc il dit, je suis pas sûr de pouvoir partir. Là, il est 17h30, l'avion décolle à 19h, donc on va être fixé dans 1h30, savoir s'il part. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah. Sacré Nunu, bah, ouais, quelle aventure, le il est là. Là. Il est là. Eh, ça fait un an qu'on a pas vu, son visage a changé. C'est mail. Raté la correspondance. Là, on se retrouve à prendre un autre vol pour Dublin, qui est en retard. Il arrivait de Toulouse. Et là, mon gars, peut-être qu'on va arriver à Dublin pour jouer un quick nine on the rocks, on the beach. Ça serait incroyable. C'est la folie. Ok, les correspondances, c'est pour les, c'est de la merde. Pour prendre des vols directs. C'est bien, ça, Jean. C'est quoi? C'est mon sac. C'est quoi? Non, c'est ça, c'est bien. Ah putain, t'as ton... Non, mais hier, t'avais un autre paper. Casquette et il a dit golf shoes, on permet pour vous, tu vois, mais sinon pas de golf shoes. C'est incroyable. C'est quoi, ça c'est genre restaurant un peu très orange. En fait, c'est très orange et bois. Ah, j'ai bois. On est dans le orange marron et nous on aime le marron. Et moi, ça, tous ces trophées. Tu sais, qu'est-ce qui a joué ici? Okay. Justement, on a vu Air Force One hier à l'aéroport. Bill Clinton. Oh, Bill Clinton a joué ici. Comment tu penses qu'il a joué? On sait pas, c'est le secret l'homme élastique. C'est ça qui arrive, tu deviens plus vieux, tu te fais des blessures, puis là, tu es obligé de sortir ton équipement avant de frapper une balle. De quoi tu parles, plus vieux? Je suis autant blessé que toi. Ouais, il sort un chiro de sa poche. Voilà, ça va attendre ça. The wind is sort of coming more or less from the southeast. So you could go out on the whites and come back on the yellows. That's a good idea. You're going to be into the wind. Yeah. So is the course goes like that? No, what you have, what you basically have is 9 out and 9 back, with the exception. But it goes out this way? Yeah. With the exception of 3 holes where they turn back on themselves, the par 3s. Okay. Mais ouais, parce que c'était mars 17 cette année, la Saint-Patrick. Alors. Ouais, les vraies balles. Les vraies de vrai. On en met une en jeu tout de suite. On en met une pour commencer. Belle. Elle va faire un trou. Un trou. Peut-être deux, là. Job on the bunkers out there. Oh yeah. So we've redeveloped every bunker on the golf course. So you'll see it, they're not in play unfortunately. Okay. Until May. So any you'll see them today. Free drop. Oh. Yeah. Ils refont les bunkers. Fait qu'ils sont tombés dans le bunker. C'est un free drop. Fait que pas de bunker aujourd'hui. Ça, ça donne l'avantage aux Français, ça, par exemple. J'étais un peu déçu.
pas très très bon. Elle était un petit peu enroulée à gauche. Et le green était un petit peu enroulé à droite. Bref, il va falloir shipper quoi. Tu veux la suite? Ben, je l'avais un petit peu enroulé, hein, comme je vous ai dit. Et là, regarde, c'est pas facile. Il y a un petit mur devant moi. Là, ça prend un bon flop, mais qui reste pas à court. Ouais, genre, flop. Regarde. Ouais, c'est du golf, ça. Beaucoup de plaisir. Je vais dedans, elle voulait y aller là parce que. Enfin, la caillale là. Nah. Oh, oh, il... oh. C'est de la merde. Ouais. Pas à droite, on va tout droit vers le bateau. Le gars voit même plus. Le drapeau est. Ouais, le bateau, tu vises le drapeau. Ah, c'est pas possible. Tu vises le drapeau. Gavard. Okay, okay. Tu vises le bateau. C'est ok. Les 4, on a joué 4 balles. On était pas si mal dans le fairway. Il y a un vent, tu vois, droite-gauche depuis tantôt. On le voit avec la cheminée là-bas. Et les 4, on est à droite du tarif du gris. Les 4 bouffés par le vent. Pas un plus brillant que les autres. Ça, c'est un nice shot, ça. Ouais, tu devrais regarder derrière mon 60 degrés. Tu serais fier. Toucher les fruits. Tu seras fier, Thio. Celle-là, elle est morte. Oh. Ouais, heureusement que ça. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, Saint-Jean, elle est belle. Elle est pas morte. Je me suis emporté. Elle est belle. Qu'elle est passée derrière. Non, elle est belle, elle est morte. Elle est belle, elle est belle. Morte. Non. Beau, ça. Bah. C'est le green qui s'est joué un peu de moi parce que j'ai joué trop à gauche. Tu sais, quand tu rates un mauvais shot, le regret immédiat. Tu vois, quand t'as pris le temps de regarder et que tu la potes pas bien, le regret est instantané.